on accueille nos couples du jour. Et d'abord, Angèle et Noé, ils viennent d'Orléans, la région centre. Elvina et Jonathan Persson, c'est l'Aquitaine, bienvenue. Et puis Marine et Frédéric, Montpellier, le Languedoc-Roussillon. Il a un physique de rêve, il a pas fini de rêver. Bruno Guillon. Physique de rêve, vous savez vous flatter. Bonjour Pascal. Bonjour Bruno. Bonjour à vous, bienvenue sur France 2. Merci de nous rejoindre comme chaque matin. Merci d'être aussi fidèles et merci aux trois couples qui vont s'affronter pendant une demi-heure. Frédéric, ça va ? En forme. Are you big moustache ? Yes, oui. You are. Photo. Ah, déjà. C'est quoi cette photo ? Vous avez fait de la pub ? C'est juste avant l'enregistrement, j'ai fait couper depuis. D'accord, non, non, mais c'est pourquoi ? C'était pour une blague ou c'est un vrai produit ? Une petite blague, voilà. D'accord, ok. J'aurais pu faire de la pub, mais non. C'est une blague. Sinon, on vous embauche pour un télé-shopping, hein, y a aucun problème. J'ai le bras long dans le métier. Merci. Elvina et Jonathan. Jonathan ? Oui. Photo de Jonathan, j'ai du dossier sur les garçons aujourd'hui. C'était pourquoi ? C'était à quelle occasion ? Ben, disons que ce jour-là, avec ma compagne, on était à la salle de bain. Et puis, je sais pas, j'ai eu un coup de chaud, j'ai voulu me prendre pour Superman. Donc voilà, j'ai mis la cape, je me suis fait la petite coupe avec la belle mèche bien plaquée sur le côté. Genre, regarde la photo, elle est bien cadrée quand même. Hein. On est passé. Il y a eu du photographe aussi. Ouais, on est passé à deux doigts de l'interdiction de diffusion. Et puis Angèle et Noé. Alors, du coup, vu qu'on est dans le dossier photo, j'aime bien de temps en temps, voilà, j'attaque avec ça. Vous, j'ai pas compris. J'ai pas compris dans quel sens ça se regarde. C'est. C'est nous. C'est dans le bon sens. C'est quoi le projet ? Alors, c'était pour un mariage. Vous savez, le jeu de la petite balle qu'on doit recevoir et ouvrir pour un mariage, pour faire un petit montage photo. Et donc, du coup, la petite bague qu'on doit recevoir à un mariage ? La petite balle. Ah, la petite balle ! Oui, voilà. Pardon. J'ai compris, la petite bague de mariage, si on doit la récupérer comme ça, on n'est pas prêt de se marier. Non, si t'as envoyé une petite boulette pour m'envoyer un message aux mariés, après on fait un petit montage et ça fait une grande vidéo. D'accord, ah oui, ou quelqu'un voilà, fait une boule, il l'envoie à quelqu'un d'autre et à la fin. Et donc du coup, on a décidé de le faire en rappel. Donc on était sur une corde et il y avait quelqu'un qui nous lançait la... Donc on descendait la tête en bas, d'accord. On récupérait la balle, on se retournait et on ouvrait. Pour mettre une petite difficulté Donc combien de prises, parce qu'à mon avis, ça a dû être 74. Non, moins quand même, quand même pas, on est parce qu'au bout d'un moment, pas loin. Le sang, il vient au cerveau. Bon. Ben là, vous restez... on reste comme vous voulez. Hein, voilà, pour lancer la première manche, c'est nous, la voici maintenant. Noé, pompier. Exactement. Jonathan, agent d'entretien. Tout à fait. Frédéric, manager. Chez Pôle emploi. Chez Pôle emploi, très bien. Pour l'instant, ça n'a pas besoin de boulot, mais enfin bon, on ne sait jamais, ça va tellement vite dans notre métier. Noé, on y va avec la première question. Je vais prendre des vacances, toute seule, sans toi, qui me fais chier et merde. Attends, prie, Gigi, calme-toi. Hein. En ce moment, tu es fatigué. Alors tu vas monter, tu vas prendre deux cachets, tu vas te reposer. Monsieur, vous avez fait ça à votre chérie une fois et ça lui est resté au travers de la gorge. De quoi s'agit-il ? La chose la plus marquante, on avait prévu des vacances ensemble en Corse, de traverser la Corse en randonnée. Mmh. Et une fois Et une fois que c'était prévu, je suis parti avec des copains le faire. L'année d'après, en fait, où je devais partir avec elle. Et du coup, elle n'était pas très contente. Mais sans la prévenir Si, en la prévenant, elle n'était pas disponible à ce moment-là. Je suis quand même parti le faire. Et depuis, ça ne passe pas. J'ai essayé de repartir avec elle en Corse. Je pense que l'île de beauté, on va arrêter. Ah, c'est fini. Bon, bah, c'est l'île d'Oléron, l'île d'Oreille, il n'y a pas de Gervin, mais enfin, c'est joli aussi. Hein, c'est... Bah, du coup, l'été dernier, on a fait le tour du Mont Blanc pour se consoler, mais ça ne sera pas la Corse. D'accord. Jonathan. Oui. Alors, moi, donc, avec ma compagne, disons qu'on aime bien, on est très joueurs. On aime bien se faire des petites blagues, des petits coups de crasse, on va dire. Mm-hmm. Et disons que, voilà, un jour, chez sa grand-mère, donc elle était dans la cuisine, donc je ne sais plus si elle était en train de faire la vaisselle. Et en fait, sa grand-mère tient un compost. Oui. Et j'ai vu dans le compost qu'il y avait une jolie tomate moisie. Oui. Bien moisie. Et ce qui m'a pris, j'ai pris la tomate et je l'ai écrasée sur sa tête. Non. Elle n'a pas trop compris ce qui s'est passé. Oui. Elle a surtout senti l'odeur en premier, je crois, il me semble. Et du coup, sur le coup, bon, voilà, elle a un peu mal pris, mais ça n'a pas duré très longtemps. D'accord. Parce que... Sachant qu'elle est joueuse aussi, elle m'a dit « t'inquiète pas, je me vengerai ». Donc, quelques mois après, ça a été inversé, ouais, le rôle.
Mais avec une crotte de chien, beaucoup plus drôle. Ouais, ça, disons, ça a été un œuf en fait. D'accord. Un œuf sur la tête, voilà. On s'ennuie pas, c'est Jonathan Elvina. Ah, que dire. Ça bon. Top à la blague. Frédéric. Et moi, je miserais sur son naturel un petit peu jaloux. Et j'ai souvenir assez récemment d'être allé, d'avoir invité une amie à déjeuner. Et j'avais un peu oublié de lui dire. Voilà. Mais quelle amie ? Une amie, une très bonne amie, Angélique. Voilà. Ouais. Et voilà, donc ça suffisait à teaser son fond de jalousie. Donc, Mais elle la connaissait ou pas ? Bah, elle la connaît sans trop la connaître. Elle ne souhaite pas faire sa connaissance. Moi, j'aimerais qu'elle se rencontre. Je pense qu'elle serait très amie ensemble. Mais, mais ça ne passe pas. Et ça, là... Après, je me sentais quand même en devoir de lui dire parce que je ne veux pas qu'il y ait de secret entre nous. Oui. Mais c'est quelque chose qu'elle accepte assez mal. Voilà. D'accord. Donc je pense qu'elle jalouse. A eu en travers de la gorge ce jour-là. Le dossier Angélique, c'est nous. Il y a un petit dossier. Jonathan, deuxième question. Imaginez, week-end à la campagne où vous allez rencontrer les parents de votre femme pour la toute première fois. À peine arrivé, son père vous propose une partie de chasse. Il faut pas qu'on ait quelque chose à manger ce soir, mon gars. C'est quoi votre réaction ? Intimidé, vous acceptez. À ce stade, vous ne pouvez pas le contrarier. Vous êtes catégorique et vous dites plutôt mourir que de devoir chasser ou bien vous négociez. On ne pourrait pas commander japonais, plutôt hein. Non, je choisirais plutôt la deuxième question. La deuxième proposition. Plutôt mourir Non, la première proposition, pardon. Vous acceptez? J'accepte, sans hésiter, oui. Partez avec le fusil, tuez les bêtes. Ouais. Dans le pays du bouchonnois, c'est l'ouverture de la chasse. La attention, chasse à la galinette cendrée. Faut pas confondre, il y a bon chasseur et mauvais chasseur. Exactement. Ouais. Un viandard. Bon, eh ben c'est noté. Frédéric. Je pense que j'irai à la chasse, malgré mes convictions, mais pour faire plaisir à beau-papa. Voilà. D'accord. Par contre, convictions, vos convictions, c'est J'aime pas trop qu'on fasse du mal aux bêtes, encore moins qu'on les tue. Ouais. Après, je pense que je serai assez maladroit ce jour-là. D'accord. Voilà. Noé. Moi, ce serait plutôt intimidé. C'est un bon chasseur, le beau-papa. Ouais. J'ai jamais tenu un fusil. Je ne sais pas s'il va tirer sur le gibier, sur moi. D'accord. Disons, c'est plutôt tendu. D'accord. Donc, vous acceptez? J'accepte pour faire plaisir à la belle famille. Pour faire plaisir à la mais belle intimidé. Famille. Troisième question, Frédéric. Si vous la surprenez avec un oreiller sous son t-shirt pour voir l'allure qu'elle aurait enceinte. Quelle sera votre réaction ? Vous serez fou de joie ? Quoi, c'est vrai, je vais être papa ? Vous serez paniqué ? C'est juste une simulation, hein, rassure-moi. Ou bien vous serez à l'ouest ? T'aurais pas pris un peu de poids ? Pas d'enfant pour l'instant ? Si, quelqu'un ? Non, pas d'enfant. Pas d'enfant, ouais. Je pense que je serai très heureux. Voilà. Très heureux. Oui, et c'est un peu dans les projets aussi. Ah. Voilà. Ouais. Chloé, de votre côté. Faut de joie, paniquer ou à l'ouest ? Plutôt à l'ouest. Elle l'attend. Moi, je ne l'attends pas forcément. Bon, on sait qu'on en veut, mais voilà, je ne sais pas. Ah, forcément. Vous êtes du genre, ouais, oh là là. Je botte en touche. D'accord. Donc, on est sur le côté... À l'ouest. À l'ouest, t'aurais pas pris un peu de poids. Jonathan ? Moi, je dirais fou de joie. Je dirais fou de joie parce que... on voit bien. J'aimerais bien... J'aimerais apporter... non, sincèrement, non, on aimerait bien avoir des enfants. Mais après, une fois que notre situation serait plus stable... D'accord. Donc, voilà. Donc, on attend que la situation de madame soit un peu plus stable par rapport à l'emploi. Et après, voilà. Mais sinon, voilà, je serais très heureux. Bon, et bien maintenant, on va comparer leurs réponses avec les vôtres. Vos chers Hervienne. Marine, je vais me mettre comme ça, parce que vous êtes diététicienne, hein, je crois, de métier. C'est ça. Ouais, hop. Je me cache. Marine, première question. Votre chéri vous a fait ça et ça vous est resté en travers de la gorge. On voit déjà la marque. De quoi s'agit-il, Marine ? Mais moi, je suis très jalouse. Hein. Donc, je suis très, très, très jalouse. Et c'est vrai que dernièrement, Frédéric s'est fait une nouvelle copine. Ouais. Donc, avec qui il entretient des échanges textos, etc., assez fréquents. Ouais. Et c'est vrai que ça m'est resté un peu en travers de la gorge. D'accord.
Je pense que Pascal va vous demander de préciser. Oui, préciser. Est-ce qu'il a fait autre chose avec elle? Ah ben j'espère que non. Hein. Non, non. Alors, Pascal, attention quand même dans les questions. Oui, oui, non. Je vais reformuler. Je reformule. Est-ce que vous pouvez nous donner au moins son prénom à cette copine? Oui, elle s'appelle Angélique. Mais c'est la fameuse Angélique. Oui. Et le texto que vous m'avez montré tout à l'heure, Fred, la photo sexe. Enfin bref, la réponse c'est ça, oui, mais c'était le déjeuner, mais ça marche. Quand même. En tout cas, elle est vachement bien sur les photos. On sent que... Hein, ouais, hein. Ah oui, c'est clair. Hein. Non, après, la photo était magnifique. Vous lui direz que le maillot de bain lui va à ravir. C'est dommage. Pour un deux pièces, c'est dommage qu'elle n'ait pas mis... Mais bon, après, c'est un choix. Elvina. Oui. Alors, moi, je dirais, au début de notre rencontre, au tout début qu'on était ensemble, monsieur était un peu Don Juan avant. J'espère toujours avant. Et il échangeait encore des SMS avec ses anciennes conquêtes. Il n'y avait pas une Angélique dedans Non, elle est débordée. Avec non, ses anciennes pas, conquêtes, avec ses ex, donc. Oui, tout à fait. Mais c'était quoi, genre, comme échange? Parce que des fois, on peut garder... Mais SMS, photos... Bon ah oui. Oui, voilà. Genre Superman dans la salle de bain. Jonathan. J'avais oublié ce détail-là. La tomate sur la tête, ça expliquerait la couleur de cheveux. Aussi. J'avais oublié. Angèle. Alors, moi, je pense que c'est... On avait prévu de faire le GR20. Mm-hmm. Et donc, tout était prévu. Il a décidé de partir avec ses copains. Enfin, ses collègues. Mais non. Si, si. Mais aucun mec pourrait faire ça. Je vous le présente. Mais quel goujat. Oui, ben, c'est Noé. Noé. Bingo, vous marquez vos 10 premiers points. Imaginez, Elvina, un week-end à la campagne où votre chérie va rencontrer vos parents pour la toute première fois. Et à peine arrivé, votre papa lui propose une partie de chasse en disant bah, « faut bien qu'on ait quelque chose à manger ce soir ». La réaction de Jonathan, ça va être quoi? Intimidé, il accepte. À ce stade, il ne veut pas le contrarier. Ou alors il négocie, on pourrait peut-être plutôt commander japonais. Ou alors il est catégorique, plutôt mourir que de devoir chasser. Non, il y va. Il y va ? Il est intimidé. Intimidé ? Oui, oui. Et il suit beau-papa à la chasse. C'est une bonne réponse. Angèle ? Alors moi je dirais intimidé. Intimidé pareil ? Bah oui, mais il va le suivre, mais bon, au début. Mais mon père fait peur. Je l'avais dit. Hein. Pourquoi il fait peur, votre père? Alors, ben, le dernier métier de mon papa, c'est tueur aux abattoirs. Donc, c'est pas pareil, mais... Alors, quand vous dites tueur, enchaînez aux abattoirs direct, parce que sinon, les gens disent, il est tueur. Ouais, tueur en série. Il a fait 2-3 fois, fait entrer l'accusé. Elle mettait ça sur ses cartons en primaire. On demande la profession des parents, elle mettait tueur. Ça s'appelle pas comme ça, c'est pas comme... Non, bah c'est ouvrier qualifié, mais moi, moi je viens de la campagne, on dit tueur, et puis voilà, enfin les gens connaissent. C'est quoi dans la vie? Et vous avez pas dû ramener beaucoup de petites amies à la maison? Il fait quoi ton père, il est tueur? Ah ouais, bah ça, je vais aller chez la voisine. Bon, Noé nous a dit que oui, il a accepté. Et alors Marine, il fait quoi Frédéric? Alors, mon papa, il ne fait pas du tout peur. Hein. Mais je dirais qu'intimidé aussi, il accepte. Intimidé, il le suit à la chasse. Et là aussi, c'est une bonne réponse. Angèle, troisième question. Si Noé vous surprend avec un oreiller sous votre t-shirt pour voir l'allure que vous aurez une fois enceinte, il va réagir comment? Il va être paniqué. C'est juste une simulation, hein, rassure-moi. Il va être fou de joie. Quoi, c'est vrai, je vais être papa, wow, en pleurs et tout ça. Ou alors, il va être à l'ouest. Dis donc, t'aurais pas pris un peu de poids? Je pense qu'il va être paniqué. Il va être paniqué? Ouais, parce qu'il dit qu'il veut des enfants, mais je pense que le jour où je vais lui dire que je suis enceinte, il va être... Ah. D'accord. Enfin, là, il va être surtout là, ah, comme ça, en vous montrant sa réponse, quoi. Ah, merde. Pardon. À l'ouest. Allez, je botte en touche à chaque fois. Ah ouais, bah... Bon, il a dit après, j'avais oublié, le temps n'aurait pas pris un peu de poids, donc il est resté que sur le Halloween. Vraiment. Marine. Il va être fou de joie. Il va être fou de joie? Ouais. Frédéric. Ouais, c'est bien.
C'est dans les tuyaux. Ouais. Pas façon de parler, c'est, façon de parler. C'est en prévision. Ouais, c'est ça. Très bien. Elvina. Je dirais qu'il est fou de joie. Il est fou de joie, Jonathan. C'est bien. C'est bon. Ça vous donne 10 points, un petit retard par rapport aux rouges qui sont à 15 et aux bleus qui sont à 20. Mais la deuxième manche peut vous permettre d'en monter, elle va arriver dans quelques secondes. Le temps pour Pascal de nous parler des prochaines villes où se dérouleront les castings des amours. Avec joie, Bruno, nous irons chercher nos futurs couples. D'abord à Montpellier et Toulouse, ce sera le 13 mai. Ensuite, Lyon et Bordeaux pour le 14 mai. Et si vous êtes à Bruxelles et à Lille, ce sera le 18 mai. Vous vous inscrivez au casting des amours sur notre site France.tv. Marine, on le disait, diététicienne. Elvina, décoratrice d'intérieur, c'est bien ça. Et Angèle, professeure de physique chimie. Ouais. J'adorais ça. Ah, c'est rare. Parce mais que si, c'est moi soir. J'adorais parce qu'on avait les petits tubes à essayer et je mélangeais tous les trucs. Oui, j'attendais que ça fasse des bulles. Des fois, ça marchait. Ouais, des fois, pas. Mmh. Ah, le fameux tableau élémentaire des éléments. Ouais, oui. Truc qu'on nous demande d'apprendre par cœur qui ne sert plus du tout à rien du tout après le reste de ma vie. Est-ce que vous pensez vraiment que je veux dire, dis donc, ZN, ce serait pas zinc? Non. C'est vrai, c'est ça, ZN, c'est le zinc. Oui, je me souviens que de lui. Bon, allez, Angèle, première question. Qu'y a-t-il de plus masculin chez vous? Alors, moi, j'ai deux choses qui me viennent. Alors, au début, je pensais en détail physique, donc je disais ma mâchoire, parce qu'il me reproche toujours d'avoir une mâchoire carrée. Donc voilà, j'ai pensé à ça. Et sinon, ben, à la maison, je suis un peu geek, c'est-à-dire que je démonte tout, je bricole. C'est peut-être parce que je suis prof de physique-chimie, ouais. Je fais des petits montages. Côté bricoleur, geek, voilà. Ok, t'as noté. Elvina. Alors moi pareil, j'hésitais entre plusieurs choses. J'aurais dit soit ma passion pour les voitures et les motos, parce que je suis passionnée depuis toute petite et voilà. Ou soit le mode geek jeu vidéo, vraiment à fond, ça peut être du matin au soir. En fait, vous avez toutes des habitudes de mec. Alors on est. alors Marine, on va voir avec vous tout à l'heure. Donc, vous êtes gameuse? Ouais. Je mais genre jeu en ligne, etc. Ah oui. Mais genre jeu de foot ou jeu de combat? Jeu de guerre. Jeu de guerre, très ouais. Bien. Et du coup, je peux passer des journées entières ou même des nuits. Donc, ouais, moi, je dirais plus les jeux vidéo. Côté jeux vidéo, ouais. Très bien. Et vous alors, Marine? Je dirais que Frédéric et moi, on n'aime pas trop les problèmes, les embrouilles et tout ça. Mais malheureusement, bon, bah, des fois, il faut aller un peu au front. Hein. Oui. Donc, et là, dernièrement, on a nos voisins qui veulent installer chez eux un poêle à bois. Et qu'on demandait s'ils pouvaient installer leur poêle à bois sur notre façade. Oui. Voilà. Donc moi, je n'étais pas trop d'accord. Hein. D'accord. Donc du coup, ben, c'est moi qui vais un peu au front. Quoi. Ah, c'est vous qui allez voir les voisins en disant, dis donc, ton poêle à bois... Voilà, je dis que voilà, on peut faire autrement. Et donc, d'accord. C'est moi qui explique. Quoi. OK, voilà. Bon, ben, c'est noté. Vous résumez tout ça, mon petit Pascal, en deux mots, et vous me l'invitez sur une fiche? Eh bien, c'est parti. Merci beaucoup. Elvina, suite à une dispute au cours de laquelle vous l'avez soupçonné d'avoir une maîtresse, vous ne vous adressez plus la parole depuis 8 jours et il dort sur le canapé. N'y tenant plus, il vous offre un bouquet de 50 roses. Votre réaction, c'est quoi? Vous l'ignorez, les roses restent emballées et lui reste sur le canapé? Ou alors, vous faites votre mea culpa et vous dites « Excuse-moi, je me suis un peu emballé ». Ou alors, vous en remettez une couche. Ce bouquet, c'est l'aveu que tu m'as trompé. Bon, je dirais quand même qu'au bout de 8 jours, parce que bon, 8 jours, ça peut être long. Non, je vais faire mon mea culpa. Mea culpa? Ouais. Vous êtes un peu jalouse, vous, Elvina? Parce que bon, Marine nous a dit oui tout à l'heure. Très. Mais bon. Ah, très aussi? Mais avec le temps, en fait, je m'estompe un petit peu. Enfin, je deviens... Ça fait 3 ans et 4 mois que vous êtes ensemble, ouais, ou ça? Ouais, à peu près, ouais. Donc, vous faites votre mea culpa. Mm. Marie. Je vais faire mon mea culpa. Faites votre mea culpa, ouais, quand même. Ouais. D'accord. Je fais la tête, mais je sais pardonner. Alors bon, peut-être au bout de 15 jours, pas 8 jours, mais ça passera. Voilà. Angèle. Moi, je fais mon mea culpa. D'accord. Oui, puis moi, 8 jours, je ne tiendrai pas. Hein. Donc... Tiens, vous tiendrez pas en quoi? Bah, moi, je peux pas ne pas lui parler pendant 8 jours. Ah d'accord, ok, très bien. Voilà. Marine. La troisième question, c'est la question bonus. Hier soir, et je dis bien hier soir,
Lorsque votre chérie s'est déshabillée, vous avez pensé « Waouh, XXL »,« Ouf, RAS » ou « Zut, encore HS ». Vous avez compris où on vous emmène ? Je dirais waouh. Waouh. Ouais. XXL. Angèle. Pareil. Waouh. Exactement. Elvina. Ah ben alors moi d'habitude ça aurait été ça, mais là hier soir on était un peu fatigué donc RAS. RAS. Ouais. Rien à signaler. Bon. Et bon, on va voir ce qu'ils vont dire. Voici le retour de vos chéris. Frédéric, je vais commencer avec vous. Qu'y a-t-il de plus masculin chez votre chérie, selon Marine ? Je dirais que c'est elle qui part un petit peu dans la confrontation dans le couple, mais par rapport à l'extérieur. D'accord. Je suis plutôt moi d'un naturel très doux et gentil. Et dès qu'il y a besoin de montrer un peu les muscles, c'est madame qui prend les devants. Voilà. Ouais. Genre par exemple si les voisins veulent installer un poêle à bois contre notre façade en c'est plus. C'est un très bon exemple. Et voilà. Ben voilà, c'est Marine qui s'y colle et c'est une bonne réponse. Jonathan. Je dirais que ça serait plus les jeux vidéo. Parce qu'elle aime geeker, elle aime les jeux vidéo de voiture, de combat, de pistolet. D'accord. De guerre, donc. C'est une gameuse. Je pense que je dirais ça, oui. Enfin, je dirais ça. Elvina. Bonne réponse. Noé. Qu'est-ce qu'il y a de masculin chez Angèle ? Et bah, dans le couple, quand il s'agit d'électronique, d'ordinateur, d'aller sur Internet, de bidouiller, du bricolage, tout ce qui est électronique, c'est elle qui fait. Moi, je touche pas. Et bah, Angèle, bingo, voilà, ça marche aussi, tout le monde marque. C'est vrai que vous vous êtes rencontrés sur Internet, forcément, vu que vous geekez un peu tous les deux. Et oui. Que votre première rencontre, ça a été à la gare ? Oui. Tout à fait, c'est ça. Et vous l'avez embrassé direct ? Bah, avant de l'embrasser, je l'ai fait peur. Il m'a fait peur quand même avant. C'est-à-dire ? Et il est arrivé de nulle part, derrière ma voiture, et puis il m'a fait sursauter. Et puis bah, après, je ne sais pas, peut-être pour se faire pardonner, m'embrasser. Mais vous l'aviez jamais vu avant ? Non. Alors, quelqu'un que vous avez jamais vu qui arrive vous embrasse, il n'y a pas de... En photo quand même. Ah, vous l'aviez vu en photo ? Oui. D'accord. Et voilà. La photo correspondait ou pas ? Parce que souvent, quand on est un peu en... C'était mieux en vrai. Ah, c'était mieux en vrai. J'ai pas mis de cagoule, j'ai pas mis de... Je restais au plus naturel que je pouvais. Bon, allez, deuxième question. Suite à une dispute au cours de laquelle elle vous a soupçonné d'avoir une maîtresse, vous ne vous adressez plus la parole depuis 8 jours et vous dormez sur le canapé, Jonathan. N'y tenant plus, vous lui offrez un bouquet de 50 roses. Comment va réagir Elvina ? Elle va faire son mea culpa et s'excuser en disant qu'elle s'est un peu trop emballée. Elle va en remettre une couche en vous disant « ce bouquet, c'est l'aveu que tu m'as trompé », ou elle va l'ignorer, les roses restent emballées et vous, vous restez sur le canapé. Je dirais plus... le bouquet de roses, elle va prendre le bouquet de roses, mais elle ne va pas me pardonner, en gros. Je sais pas. Ah, alors ça, il n'y avait pas, mais... ça serait, elle l'ignore, les roses restent emballées et vous, vous restez sur le canapé. Non, la deuxième, ce bouquet, c'est l'aveu que tu m'as trompé. Ce bouquet, c'est l'aveu que tu m'as trompé, voilà. D'accord. Pas tout à fait, c'est-à-dire ouais. Qu'elle vous dit « Ok, ouais. Tu m'as trompé, mais elle garde les roses. » Oui, c'est ça. D'accord, très bien. Elvina, non, elle était prête. La dernière. À faire son mea culpa. Ouais, j'hésite avec ça. Noé. Je dirais qu'elle ignore parce qu'il faut vraiment que je me mette à genoux pour qu'elle se fasse, que je l'excuse et tout ça. C'est vrai, tu me le regard. C'est si qui ? 8 jours, t'imagines ? Ouais, mais bon. Ouais. Alors qu'elle nous a dit, ah non, moi c'est pas possible, hein, plus de 2 jours, je craque. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, j'ai l'impression. Ça dure plus longtemps que ça, Angèle. Frédéric. Je pense que je garde le canapé quelques temps encore, un peu plus. Eh bien, vous savez quoi ? Contre toute attente, Marine, elle fait son mea culpa. Comme quoi, c'est magique, on en apprend quand même des choses dans l'émission. Et alors, la magie du truc, c'est que ça vous place en tête avec 30 points, suivi des rouges avec 25 points. Les jaunes en ont 20. Tout va se jouer avec la question bonus, ça tombe bien. Elle arrive juste après ça.
Jonathan, nous allons parler de hier soir, et je dis bien hier soir. Lorsque vous vous êtes déshabillé, elle a pensé quoi, Elvina ? Elle s'est dit « Ah, zut, encore HS ?» Ou elle s'est dit « Ouf, RAS ?» Ou elle s'est dit « Wow, XXL ?» Je pense qu'elle s'est dit... RAS. RAS ? Oui. Elvina ? Tu m'as fait peur. C'est-à-dire que tu aurais pas été avec moi. C'est pour ça, je suis pas sûr. Noé ? Je dirais... XXL. Waouh, XXL ? Frédéric, ça va se jouer avec vous. J'ai la pression là. Ah oui. J'espère qu'elle s'extasie encore. XXL, allez. Je dis bien hier soir. Marine, XXL. Et vous êtes les amours du jour. Elvina, Jonathan, Angèle, Noé, j'espère que vous avez passé un bon moment. On était ravis de vous accueillir sur le plateau. Et nous vous offrons ces cadeaux. Spartoo.com vous offre 240 euros pour vous habiller des pieds à la tête. Faites-vous plaisir parmi un large choix de plus de 3500 marques de chaussures, sacs et vêtements. Marine, Frédéric, vous êtes les amours du jour. Est-ce que vous êtes prêts pour votre finale ? Oui. On y va. Marine, Frédéric connaît-il top ce que vous mangez le plus souvent à midi ? Non. Votre taille en mètres et centimètres ? Oui. 1m66. Votre actrice préférée ? Oui. Je passe. Assez, le diplôme le plus important que vous ayez obtenu. Oui. Un BTS. Le son que vous adorez entendre. Oui. Le ronronnement. Les deux derniers chiffres de votre numéro de téléphone portable. 54. Top. Ah, ça doit être celui d'Angélique, 54. Oui. C'est ballot. C'est 94, celui de Marine. Ouais. J'espère vraiment que c'est pas 54 la fin de celui d'Angélique, parce que sinon vous allez passer une sale journée. Un petit bilan rapide, 3 bonnes réponses, il reste 20 secondes pour nous en donner 4. Allez, on y croit. Marine, Frédéric connaît-il top la femme à qui vous écrivez des textos le plus souvent? Sa maman. L'âge que vous aviez à votre rencontre, attendez qu'elle dise oui ou non. Non. Votre ascendant? Oui. Capricorne. Le genre de musique que vous préférez? Oui. Rock. Le genre de film que vous détestez le plus? Oui. Les films d'action. Et non, c'était science-fiction. Ah. Et la personne à qui elle écrit le plus de textos, c'est Manu, son ami. Ah, c'est Manu, c'est vrai. Frédéric, Maxime, il y a quand même... Marine, j'allais vous appeler Maxime. Frédéric, Marine, voici votre cadeau. Bienvenue au château de Pizé, château de charme et hôtel 4 étoiles, spa et restaurant gastronomique au cœur du Beaujolais pour amateurs de grands domaines viticoles. Merci d'être venu ce matin. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis, les amours, tous les matins, sur France 2. On est là au garde à vous, 11h20. Et vous êtes les bienvenus tous les jours. Prenez soin de vous. Et pour venir jouer avec nous, inscrivez-vous au casting des amours. Vous allez sur notre site france.tv. Tout est expliqué.